vous n'avez pas d'assertion dans votre test, votre test ne sert à rien parce qu'il n'est pas échoué. Donc une assertion, c'est un prédicat avec une exception de rien. Il faut au moins un test par une assertion par test. Donc quand vous écrivez vos tests, notamment les tests unitaires, vous avez forcément des assertions. On va voir, c'est un petit peu plus... c'est assez vaste comme domaine, dans le domaine du développement web. Les tests double, c'est un concept générique qui comprend donc les stubs, les mocks et puis les spies. Alors c'est des concepts assez liés. Hein. Les stubs, en général, c'est une réponse préenregistrée. Vous pouvez avoir un serveur de stub, par exemple, avec un certain nombre de réponses préformatées. Dans une phase initiale de développement, c'est courant. C'est-à-dire que vous avez un serveur et vous allez pouvoir écrire votre client web service dessus et il va vous répondre des données préenregistrées. Les mocks, c'est un petit peu la même idée, mais c'est un peu plus orienté objet dans l'esprit. Et l'idée, c'est que le mock dépend du contexte. Un stub, ça va tout le temps vous répondre la même chose. Un mock, en général, vous l'avez programmé pour répondre une réponse que vous êtes censé obtenir après une séquence d'action. Par exemple, si vous voulez mocker un web service qui vous envoie une entité user, vous dites voilà, le mock, je vais mocker le web service, je vais renvoyer l'user 1, mon identifiant 1, ça va être Frédéric Bonnet. Je fais un get sur mon utilisateur 1, et si je n'obtiens pas Frédéric Bonnet, c'est que c'est pas. Un spy, c'est quelque chose qui vous permet de greffer des actions sur des objets existants. C'est des concepts assez liés, tout ça. Au niveau de l'outillage, vous avez le test runner, c'est ce qui va exécuter les tests. Le test reporter, c'est ce qui produit le rapport d'exécution. Donc ça peut être le nombre de tests passés, les tests de couverture, genre de choses. Et le testing framework, ça c'est quelque chose qui permet l'écriture, qui permet au développeur d'écrire les tests pour qu'ensuite ils soient exécutés par le test runner pour produire un rapport. Quelques termes usuels, white box, black box, ça vous dit, vous voyez à peu près. White box, je vais en détailler après, et end-to-end aussi. Alors white box, black box, il y a une différence subtile mais qui a beaucoup d'implications sur la façon dont on écrit les tests. Le white box, ça dépend de la structure interne de l'objet du test. Quand vous écrivez votre test unitaire, si c'est un test white box, c'est la façon dont vous écrivez votre test, en fait, elle dépend de la façon dont l'objet a été écrit. C'est-à-dire que vous avez une connaissance interne du fonctionnement de votre objet. Si on parle d'objet composant ou service. Black box, c'est le contraire. Vous allez plutôt partir du contrat d'interface que vous avez avec cet objet. Et le test white box, il doit marcher quelle que soit l'implémentation du composant. Vous pouvez changer complètement l'implémentation, le test black box il va continuer à fonctionner. Alors chaque type de test a son usage. Disons que quand on fait du test d'intégration, du test d'acceptance, on fait plutôt du black box. Parce qu'on ne spécifie jamais le fonctionnement interne des composants au moment où on construit l'application. Un test end-to-end, et c'est l'essentiel de ma présentation va se baser là-dessus. Moi, j'ai défini ça comme un test fonctionnel de type black box, qui est basé sur le contrat d'interface. Et ça va être, en pratique, ça va être l'interface. Et l'idée, c'est que, comme son nom l'indique, end-to-end, ça doit faire appel à toutes les couches de l'application. À partir de votre test, vous devez traverser absolument tout, de la page web jusqu'à votre base de données, en passant par tout votre service. Et si on focalise sur les API web en général, ça implique en général le pilotage d'un navigateur, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du test end-to-end? Très bien. Donc voilà, maintenant qu'on a bouclé la partie jargon, je vais vous présenter les outils de test que j'ai utilisés lors de mon projet InstaKeysense. Alors l'idée c'est de faire un panorama qui ne soit pas exhaustif. Il y a plein d'autres outils de test qui existent, qui sont très bien. Là je présente que les outils que j'ai utilisés personnellement. Après je pense que peut-être que vous avez des expériences avec des outils que j'utilise pas ou que je ne connais même pas d'ailleurs. Tellement c'est vaste comme sujet.
Voilà, donc là, je vais vous présenter tous les outils que j'ai intégrés dans mon projet. Ça va être relativement rapide à chaque outil, parce que chaque outil en soi, chaque framework, mériterait sa propre présentation, mais bon, on ne va pas faire un talk de 6 heures non plus. Alors, je vais prendre un scénario d'exemple qui est la chanson 99 Bottles of Beer. Je ne sais pas si vous connaissez l'idée. Voilà. Alors, c'est une chanson à boire, qui est assez répétitive, et qui est dans le thème en plus de la musique métal. On aime bien la bière dans la musique métal. Et j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à un scénario de test en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un état de départ et un état d'arrivée, et on répète. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un site entier qui est dédié entièrement à l'implémentation de cette chanson dans tous les langages possibles et imaginables. Vous avez du Java, du PHP, vous avez différentes versions d'implémentation par langage d'ailleurs. Et au-delà de la blague, c'est un site qui est très intéressant parce qu'on découvre des techniques. Moi j'ai découvert quelques trucs comme ça, des styles de programmation, des idiomes qu'on ne connaissait pas spécialement. Donc ça c'est marrant si vous avez l'occasion de le voir. Alors je vais d'abord présenter les outils génériques. Donc c'est des outils qui ne sont pas spécifiques au test end-to-end web. Bon, par contre ils sont très colorés JavaScript, hein, parce que ça reste dans le domaine du web. Et puis en plus de ça, les autres langages en général ont moins de problèmes pour intégrer des frameworks de test. Parce que souvent dans les langages comme Java, PHP, Python ou Go, vous avez un framework de test officiel que tout le monde utilise, personne ne se pose la question. Et puis il y a une communauté qui est active dessus, il n'y a aucun souci. Vous n'allez pas à vous poser la question du choix. En général, il est déjà fait pour vous. Dans le monde JavaScript, c'est plus compliqué. C'est très balkanisé. Donc vous avez plein de frameworks de test parce que personne n'est d'accord sur la façon dont il avait été écrit, bien évidemment. Alors pour illustrer, je vous ai mis un petit bout de code. Alors bon, techniquement c'est du TypeScript, mais on va dire que c'est du JavaScript. C'est pareil, hein. C'est juste qu'il y a interface, c'est juste pour JavaScript. L'idée c'est d'avoir une classe, on va tester, une classe simple, qui s'appelle Wall. C'est un mur sur lequel vous avez un tableau de bouteilles, et vous avez des fonctions qui vous permettent d'obtenir le nombre de bouteilles et de prendre des bouteilles, les rajouter, et puis une interface bottle qui va être plus ou moins. Enfin, pas forcément cliente de cette classe, mais un objet qui est annexe dans l'application qui va permettre de faire tourner les bouteilles. Les premiers outils que je vais présenter, c'est trois outils en fait. C'est trois outils différents, mais on les retrouve souvent ensemble. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent déjà ces outils-là? Donc Mocha, Chai et Sinon, c'est un trio d'outils de test, et comme c'est un trio, moi ça m'a fait penser à la Sainte Trinité du hard rock britannique, hein, pour ceux qui connaissent, qui sont respectivement Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple. Et on les cite souvent ensemble quand on parle du hard rock britannique des années 70, et pour les frameworks de test c'est pareil, on cite quasiment tout le temps Mocha, Chai et Sinon dès qu'on parle de frameworks de test. Mocha, c'est un framework de test avec un test runner. C'est ce qui vous permet d'écrire le test. Les fonctionnalités principales, ça tourne dans un environnement navigateur ou Node.js, indifféremment. La configuration, elle est assez minimale. Vous pouvez faire du rechargement dynamique de code, donc quand vous êtes dans un mode de fonctionnement TDD, c'est très bien. Et il est très très extensible. Vraiment, c'est un framework qui est vraiment populaire et qui dispose de beaucoup de plugins, de références, de blogs, etc. Qui supporte plusieurs styles de tests, donc c'est un peu anecdotique. Chai, c'est une bibliothèque d'assertion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de test sans assertion. Et quand vous écrivez vos tests avec Mocha, Chai, etc., Mocha, ça vous permet de structurer vos tests, et Chai, ça vous permet de faire les assertions qui vous permettent de vérifier que le test répond ou pas à ce qui est attendu. Alors les fonctionnalités principales, il est assez polyvalent, il s'adapte à tous les styles. Assert, sketch, je vous montrerai à quoi ça ressemble tout à l'heure. La syntaxe est fluide, parce que vous voyez ce que ça veut dire, syntaxe fluide.
c'est quand vous enchaînez les appels de fonctions les unes après les autres sur un seul objet. C'est purement cosmétique. C'est juste que ça permet d'avoir un test qui est plus lisible. La lisibilité étant très importante pour le test. Et Chai dispose de nombreux plugins, donc par défaut déjà il fait pas mal de trucs, et après si vous avez des besoins spécifiques pour tester, je sais pas, des web services, des bases de données, des frameworks, etc., il y a des chances que vous trouviez le bon framework, le bon plugin. Pardon. Sinon, c'est une bibliothèque de test doubles. Alors on s'en sert moins souvent quand même, il y a moyen de faire des suites de tests complètes sans faire de stub ou mock, mais des fois c'est quand même utile. Sinon, c'est souvent le framework de test double qui est utilisé avec MockHI. Il permet de faire des stubs, des mock express, comme déjà précédemment énoncé, mais en plus de ça, il est adapté au web, en sens qu'il permet de créer des timers, de simuler des événements asynchrones, et puis de faire des fausses requêtes web service aussi. Donc ça, c'est utile. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de syntaxe. Alors vu que c'est assez polyvalent, il y a trois syntaxes de test différentes avec trois syntaxes d'assertion différentes également. En pratique, ça donne ça. Ça, c'est un test qui est écrit en Chai, donc à Chai. Il n'y a pas de sinon parce que j'avais rien à moquer, mais qui est au format BDD, c'est le format par défaut. Donc, vous avez quelque chose qui est assez lisible quand même. Et donc là, vous avez describe le nom de votre test, un petit loop qui est exécuté au début de chaque test. Là, votre test, et ici, les assertions expect to equal, expect to equal, etc. Et entre les deux, vous mettez votre code. Donc voilà, ça c'est ce qui vous permet de tester la chanson 99 bouteilles de bière avec Mocha en mode par défaut, on va dire. Après, si vous avez d'autres goûts en matière d'esthétique de test, vous avez aussi la syntaxe should. Et à peu près la même. Expect to equal devient wall machin should equal. Ça, c'est exactement pareil, c'est purement cosmétique. Ensuite, vous avez la syntaxe TDD. À la place d'expect, vous avez insert equal. Bon, ça, c'est quelque chose qui est un style qui est assez courant quand vous faites du PHP unit, du JUnit, etc. La syntaxe assert. La syntaxe expect et should est très courante en JavaScript, mais dans les autres langages, on fait beaucoup de ça. Après, vous avez un style plat, la seule différence, c'est pas emballé dans une fonction. En pratique, ce sera tout le temps ça. Maintenant, je vais vous parler de Jasmine. Alors, est-ce que vous connaissez Jasmine ? Outil extrêmement populaire. Alors, je pense que Jasmine, c'est vraiment le grand classique du test en JavaScript. Hein, tout le monde connaît, dans les standards. Le test comme Metallica, c'est le standard du thrash metal que tout le monde connaît. Ça existe depuis longtemps. Montrer du Jasmine à un développeur JavaScript, il va reconnaître, etc. Il n'y a pas de souci. Après, Jasmine, c'est très bien. Par contre, ça commence à être un petit peu vieillot parce que c'est un peu limité sur un certain nombre de points. Alors, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait quelque chose de nouveau, comme Metallica. J'espère qu'il n'y a pas de fan de Metallica dans la salle. Les fonctionnalités principales, bon, c'est un petit peu comme Mocha, hein. Ça tourne en navigateur Node.js. La différence avec Mocha, c'est que Jasmine vient avec ses propres assertions et tests Google. Alors d'un côté c'est pratique, vous n'avez rien à configurer, de l'autre vous êtes limité par ce que Jasmine propose. Si vous voulez plus de puissance, si vous voulez utiliser des plugins Chai ou des assertions Chai que Jasmine n'a pas, vous ne pouvez pas. Mais sinon, à part ça, c'est un très bon outil. Lui, par contre, il supporte qu'un seul type de style. Et, bon, anecdotique, il paraît que ça marche avec Ruby et Python, j'ai jamais essayé. Un test Jasmine, ça ressemble à ça. Vous voyez que ça ressemble énormément à ce qu'on voyait tout à l'heure avec Mocha. Il n'y a pas une grosse différence. La différence, c'est que vous avez l'assertion to be ici, et avec Mocha, vous avez to equal. D'ailleurs, le chai que vous avez entendu. C'est vraiment. La différence est vraiment cosmétique. Je pense que c'est vraiment une question de goût à ce niveau-là. C'est très bon. Le prochain outil, c'est Jest. Alors, Jest, historiquement, alors c'est un projet Facebook.
on pense que de Facebook. Hein. Par contre, ils ont de très bons outils. GraphQL, Jest, tout ça. Donc c'est un projet qui à l'origine vient de Facebook. Donc par conséquent, il est directement intégré à du React. Si vous faites du React, il y en a qui font du React. Ben, ça. Si vous faites du React, il y a de grandes chances que vous utilisiez déjà Jest, hein, je pense. À l'origine, c'est un fork que vous pouvez utiliser en React. Hein. À l'origine, c'est un fork de Jasmine. C'est pour ça que j'ai pensé à Megadeth, parce que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du métal, ce gars-là, il était dans la formation de Metallica à ses origines avant de se faire virer. Il a fondé son propre groupe qui s'appelle Megadeth. Voilà. Et la plupart des fans trouvent que au niveau technique, c'est nettement au-dessus de Jasmine. Et il se trouve que Jest est nettement au-dessus de Jasmine aussi à ce niveau-là. Ils ont vraiment bien bossé, ils ont ajouté pas mal de fonctions. Donc déjà le selling point de Jest, c'est 0 conf. Normalement vous lancez Jest, vous n'avez pas de fichier conf ou quoi que ce soit, il va vous trouver vos tests, il va tout lancer automatiquement, ça va marcher tout seul. Il faut vraiment avoir des besoins très particuliers pour avoir besoin d'une configuration spécifique, ça marche vraiment bien. Jasmine, il a pas mal d'assertions, mais c'est un peu limité. Par contre, Jest, il en a énormément, et vu que c'est un framework qui est très populaire, il y a beaucoup de gens qui écrivent des plugins, etc. C'est vraiment un écosystème très dynamique. Et puis, vous pouvez exécuter vos tests en parallèle et sous forme conditionnelle. En parallèle, ça, c'est intéressant d'intégration continue si vous voulez pas que vos pipelines durent 3 heures, vous les lancez en parallèle. Et conditionnel, c'est intéressant en phase de développement parce que vous pouvez dire à Jest, voilà, n'exécute que les tests qui ont foiré la dernière fois. Plutôt que de lancer la suite complète, il va se focaliser uniquement sur ceux qui ne sont pas passés. Voilà. Alors un test geste, ça ressemble à ça, et surprise, c'est exactement la même chose qu'un test Jasmine. Il y a 0 différence. Vous aurez des différences si vous avez des assertions qui sont un peu particulières et spécifiques à geste. Ce qui veut dire que si vous utilisez... Oui. Juste une remarque. Ouais. Personnellement, je ne suis pas super fan du before each, en fait, avant chaque test, si on est en unit test ou en TDD. Parce que, par exemple, on ne pourra jamais tester, en fait, que le new wall, en fait, il prend... Enfin, le add bottles, il prend vraiment le 99 en propriété. Par exemple, il pourrait hardcoder, ça, on ne pourra jamais le tester, du coup. C'est vrai. De cette façon-là. Alors après, tu peux avoir... Une première sous-suite où tu vas tester ton constructeur, ouais. Et une deuxième sous-suite où tu vas pouvoir mettre ton before each que tu as testé auparavant, histoire de gagner un peu de place de pas très côté. Effectivement, c'est une bonne remarque. Ça, alors si ça ne marche pas, ça va lancer une exception. Donc, ce qui veut dire que si on voulait être bien carré, il faudra mettre une exception, une assertion ici qui vérifie qu'on a bien 99. Une double assertion pour tester. Le add bottle avec 99 et un avec 50 pour... Oui, ouais, tout à fait. Bon, par contre, c'est un exemple extrêmement simple. Mais c'est une bonne remarque. Le before each, effectivement, c'est pas... faut pas en abuser. Donc voilà, sinon le test, là, la suite de test, elle est 100% identique à du Jasmine, ce qui fait que si vous avez déjà une suite de test en Jasmine, ça peut être intéressant pour vous de voir ce que ça donne si vous utilisez Jest pour la lancer. Avec un peu de chance, ça va marcher sans rien changer, et du coup, vous allez gagner énormément en performance, vous allez pouvoir paralléliser, vous allez vous ouvrir des nouvelles assertions, des nouveaux rapports, etc. Juste une remarque, pour l'avoir fait récemment, niveau performance, c'est plutôt l'inverse. Enfin, sauf avoir beaucoup de ressources disponibles, mais à ressources égales, c'est plutôt l'inverse. Mm-hmm. Moins performance sur Jest que sur Jest. Ouais, ça m'étonne pas. Disons que Jest, là où il y a plus de possibilités, ça se ouais. Là où Jest gagne, c'est vraiment sur la parallélisation. Parce que en termes d'exécution linéaire, ça doit être à peu près pareil, je pense. Après, je ne sais pas si c'est plus ou moins. Par contre, là, si c'est intéressant, c'est surtout dans une exécution en parallèle, en intégration continue. Et le runner est plus interactif aussi. Mais bon, sinon, comme je disais, c'est tous de très bons outils. Le prochain, c'est un petit peu un...
dire un truc un peu spécial. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de quelqu'un de mort? Ah bah, parfait. Ça, c'est un truc, c'est un truc inclassable, framework de test unité universel. J'ai mis parce qu'en fait, je ne sais pas exactement comment le positionner par rapport aux trois autres. Et comme c'est inclassable, ça me fait penser à System of a Down, qui est, pour ceux qui connaissent, qui est difficile à catégoriser dans le métal. Il faut un peu des styles, c'est un style à eux. Voilà. Cucumber, là où c'est intéressant, c'est que là où les précédents frameworks de test, vous aviez tout en JavaScript, etc. Vous écriviez votre suite de tests, vous structurez votre suite de tests, vous écrivez les tests en JavaScript, etc. Cucumber, il se base sur deux piliers. Il y a d'abord Gherkin, qui est un langage de spécification BDD, ça c'est très important. Et les steps, c'est les étapes de vos scénarios Gherkin, qui sont écrits dans... C'est ce qui est proprement dit exécutable, qui sont écrits dans le langage de votre choix. Et je dis bien de votre choix, parce que là on parle beaucoup de JavaScript, mais... Cucumber, c'est plus une architecture d'autre chose. Autre chose, c'est quelque chose qui, à partir d'un même langage Gherkin, peut supporter plein de plateformes différentes, plein de langages. Vous pouvez avoir du Java, du PHP, du Python, .NET, tout ce que vous voulez. Et le site Cucumber, en fait, il vous liste les implémentations officielles, semi-officielles, ou bien les choses qui s'en rapprochent. Et il y a des chances que votre langage préféré soit... couvert par une implémentation de Cucumber. Alors pour le cas qui nous intéresse, c'est compatible avec Shy, Sinon, etc. Et il y a une fonction qui est intéressante, c'est la génération de code. Je vais peut-être pas la détailler ce soir, on va manquer un peu de temps. Un scénario Gherkin, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Bon ben, vous voyez que ben déjà c'est brûlé. C'est juste que c'est un peu structuré avec des mots-clés qui doivent être en tête. Mais globalement, ça ressemble fortement à notre chanson originelle quand même. Un peu plus coincé, c'est-à-dire. Donc ça, c'est une feature, c'est ce que vous délivrez au client. Ça, c'est le contexte de votre test. Ça, c'est un scénario de test qui se déroule en trois étapes. Je prends une bouteille, je la fais tourner, alors... J'ai plus que 90 bouteilles alors qu'à l'origine j'en avais 90. Ça c'est pas mal parce que c'est quelque chose qu'un non-technicien peut lire. Vous pouvez le faire valider par votre client, vous pouvez le faire écrire par un testeur qui ne développe pas, etc. Ensuite, comment ça s'articule? C'est là qu'intervient. Ah oui, j'ai oublié de parler, vous pouvez aussi le faire en français si vous avez des clients qui préfèrent communiquer en français ou en allemand ou en n'importe quelle langue. Et comment ça s'articule? Eh ben, d'un côté, vous avez le scénario avec des steps. De l'autre côté, vous avez votre définition de step. Là, vous avez 4 steps. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est complètement réutilisable. Vous pouvez, ici, vous avez des steps paramétriques. Et vous pouvez écrire autant de scénarios que vous voulez, avec autant de steps que vous voulez. À partir du moment où vous avez une définition de step, le test va s'exécuter, ça va marcher. Ça, c'est vraiment bien parce que en pratique, vous réutilisez au maximum vos étapes de test. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ça. Donc, j'ai une mise en place de l'environnement, une action, une deuxième action et une assertion. Et en général, les assertions, c'est dans un globe blend. Les actions, dans un globe blend, mais bon, ça, c'est purement cosmétique. C'est sûr, absolument. Et à partir de cette simple définition de step, vous allez écrire autant de scénarios que vous voulez. Et là où c'est pas mal, c'est que à partir de zéro, vous écrivez votre scénario, vous lancez Cucumber. Si vos steps n'existent pas, Cucumber il est sympa, il va vous dire bah voilà, le step n'existe pas, prenez ce bout de code, mettez-le dans votre suite de tests et ensuite remplissez les trous. Et ça va marcher. Ça, c'est un gros gain en termes de développement. Moi j'aime beaucoup Cucumber personnellement. Pour la suite de la présentation, j'ai beaucoup axé sur le support Cucumber des outils. Maintenant, on va passer aux solutions de test end-to-end. Moi, je vois 4 défis dans le test end-to-end web. C'est les interactions, c'est-à-dire comment cliquer sur les boutons, etc. Dans le temps, c'était facile. On avait une page
c'était, voilà, c'était statique, on avait une URL, une page, c'était simple. Maintenant, on a des applications single page, on a des frameworks dynamiques, Angular, React, etc. Ça devient compliqué, il faut piloter, on n'a plus le choix, il faut piloter un navigateur complet. Ensuite, la structure des pages, il faut pouvoir retrouver les infos sur les pages. C'est pas toujours évident, si vous faites du React, par exemple, vous avez ce qu'on appelle un virtual DOM, vous écrivez votre code, ça génère du HTML derrière, vous n'allez pas forcément retrouver ce que vous avez écrit dans le HTML. Donc il faut trouver des techniques qui vous permettent de retrouver les infos que vous avez mises sur votre page. Le timing et l'asynchronisme, ça c'est des spécificités des pages web, c'est que vous ne contrôlez pas les performances d'affichage de vos pages. Le risque, c'est de tester trop tôt la présence d'un élément qui n'est pas encore arrivé, ou bien de tester trop tard. Et l'asynchronisme, bon, ça c'est une particularité de JavaScript avec les callbacks, les promesses, et toutes ces abominations qui vont simplifier bien la tâche d'ailleurs. Ça c'est vraiment les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait du test web end-to-end. Pour illustrer, j'ai pris le même principe, sauf que j'ai une page web. J'ai pris du web, enfin du HTML de base, hein. J'ai pas voulu faire un truc basé sur le framework. Donc j'ai un div mur avec des bouteilles dedans. Quand on clique dessus, ça fait une action qui prend la bouteille. Et j'ai un bouton qui permet de la faire tourner. Voilà. C'est absolument pas réaliste, hein. C'est pour illustrer. La première chose qui vient à l'esprit quand on veut faire du test end-to-end, c'est Selenium. Est-ce que vous connaissez, enfin, je suppose que vous connaissez Selenium, et est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que vous aimez Selenium? Alors, plus spécifiquement, Selenium RC, qui veut dire Remote Control, et il est eux qui permettent de faire des scénarios. Alors Selenium, bon, à l'époque, on trouvait ça bien, maintenant c'est hyper old school quand même. Donc ça me fait penser à CDC, c'est bien, CDC c'est sympa, mais on a fait mieux quand même depuis. C'est quand même très... voilà, quoi, c'est, je pense qu'il faut passer à autre chose. Le projet Selenium en lui-même, il avance bien, hein. C'est-à-dire que là on avait le Selenium old school, maintenant on a le Selenium new style, qu'on appelle aussi WebDriver. Vous avez peut-être entendu parler de WebDriver. Oui. Alors, ce qu'ils appellent aussi Selenium 2. Et c'est un fonctionnement standalone, il n'y a plus besoin de serveur Java derrière. On pilote directement un navigateur. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un standard W3C, ce qui veut dire que c'est supporté par tous les navigateurs du marché, il n'y a pas de problème. En soi, c'est possible de faire des tests basés directement sur WebDriver, mais la plupart du temps, on ne fait pas. On utilise un outil qui lui-même utilise WebDriver pour simplifier la tâche, parce que l'API, elle n'est quand même pas hyper sympa. Alors le premier outil que je présente, c'est Protractor. Il y en a qui font du Angular dans la salle. Alors c'est un framework de test pour Angular particulièrement, même si théoriquement on peut tester autre chose, mais bon, je pense que c'est pas forcément une bonne idée parce que c'est vraiment ciblé Angular. Donc pour moi, ça me fait penser un peu au black metal parce que c'est un style de métal qui est assez hermétique. Il est vraiment Donc, les gens ils écoutent du black metal, les gens ils font du Angular. Je fais beaucoup de Angular aussi, hein. C'est pas la jugement. Par contre, sortie de l'environnement Angular, Protractor, je pense que c'est pas très intéressant. Les fonctionnalités principales. Alors c'est un test runner, il est basé sur Selenium, donc WebDriver plus exactement. Et il supporte plusieurs frameworks, mais en pratique on fait surtout du JavaScript. L'expérience développeur, bon ça je vous ai fait ça. Les plus. Alors si vous faites de l'Angular, vous bootstrapez votre appli Angular et hop, elle est préconfigurée pour Protractor, vous n'avez rien à faire. Ça c'est quand même un certain gain. Et du coup, la conséquence c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Protractor et qui peuvent vous aider, qui écrivent des exemples, des plugins, etc. Au niveau intégration continue, ça installe automatiquement le WebDriver, donc ça, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Les moins. Bon, bah, c'est spécifique à Angular. C'est un beau moins. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé bizarre. Alors, à l'origine, le Protractor, c'était pour AngularJS, ensuite, ils sont passés sur Angular, et le support Angular est moins bien. J'ai cherché à comprendre.
Moi personnellement, je trouve ça un peu pénible au quotidien en tant que développeur, hein, au niveau du debugging, etc. Ça ne recharge pas automatiquement le code quand vous sauvegardez. Bon. Et puis, c'est pas intégrable en tant que bibliothèque. Donc, c'est un outil qui est intéressant du fait qu'il est intégré directement dans la chaîne Angular. Mais je pense qu'il ne faut, il faut pas hésiter à aller voir ailleurs. Et il y a des développeurs Angular prominents qui n'hésitent pas à aller vers d'autres outils que je vais présenter tout à l'heure. Au niveau de l'écriture du test, ça ressemble à ça. Bon, c'est assez lisible. La syntaxe pour accéder aux éléments, vous pouvez utiliser ICSS ou $, par exemple, pour avoir vos sélecteurs. Vous avez des actions pour cliquer dessus. Bon, ça marche globalement pas trop mal. Au niveau pair, c'est pas formidable, mais ça marche. Le deuxième outil, alors c'est pas spécifiquement un outil de test en fait, hein, vous connaissez Puppeteer, non? Vous avez entendu parler? Ouais. Puppeteer, c'est pas un outil de test, c'est un outil qui permet d'automatiser une instance de Chrome. Et maintenant, il supporte aussi Firefox, paraît-il. C'est quelque chose de très bas niveau, très bourrin, ça fait le job, ça va très vite, c'est sale, donc bon, bah, c'est du métal industriel, hein, clairement. C'est Rammstein, non? Alors on met les mains dans le cambouis, mais on ne sait pas exactement ce qu'on sait ce qu'on fait, quoi. Voilà, ça va très vite. Par contre, ça nécessite beaucoup de travail. Il n'est pas basé sur WebDriver, à la différence des autres. Il est basé directement sur le protocole Chromium de Web, donc c'est, on va dire, propriétaire en fait, Chromium. L'expérience développeur. Alors les plus, bon, c'est un outil polyvalent. Ça ne sert pas qu'à faire des tests, comme je disais. Moi, je m'en sers aussi personnellement pour générer des rapports PDF, par exemple. Si vous avez une page web avec des graphiques, etc., et que vous voulez générer un PDF avec vos graphiques, ça peut être intéressant de lancer une instance de Puppeteer qui va ouvrir votre page web et générer un PDF avec. Ça permet d'éviter d'avoir à intégrer des librairies de génération PDF. Ça fait bien. Donc Puppeteer, elle peut absolument tout faire. Vous pouvez gérer des fenêtres, vous pouvez gérer des instances parallèles, faire de la capture vidéo, etc. Et au niveau intégration continue, ça marche bien aussi. Hein. Vous instanciez, vous référencez Puppeteer dans votre paquet de JSON, il va l'installer automatiquement. Votre instance de Chromium, si vous avez une chaîne d'intégration continue, ça marche. Les moins, bon, bah, faut tout faire à la main. Alors à quoi ça ressemble? Ça se voit tout de suite, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de blabla par rapport à la version précédente. Là, vous avez un after, par exemple, pour fermer la session browser que vous n'aviez pas avant. Bon, par contre, ça vaut quand même le coup. C'est quand même très puissant. Cypress, ça, c'est un petit peu le nouveau venu dans le domaine du front, du test front. Ça a quoi, 2-3 ans, un truc comme ça. C'est vraiment très populaire. C'est, tout le monde aime Cypress, même les gens qui n'aiment pas le test, ils aiment Cypress. Du coup, c'est très très mainstream. Et le genre de métal le plus mainstream, c'est glam metal. Donc les coups, par exemple. Les fonctionnalités principales, il y a un IDE graphique. Ça, c'est vraiment ce qui fait que les gens ils sont attirés vers Cypress, clairement. C'est assez sympa à utiliser. Voilà, vous pouvez écrire vos tests et tester vos tests de façon interactive. L'inconvénient, c'est que ça supporte le Chrome. Il y a des choses qui sont pas mal, comme la retryability, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que si vous avez une insertion pour vérifier qu'un élément est présent sur une page, si elle échoue, il va la réessayer plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle passe ou jusqu'à ce que vous ayez un timeout. Vous n'avez rien à faire pour activer cette fonctionnalité. Donc du coup, au niveau de l'écriture de test, c'est beaucoup plus simple. Au niveau debugging, vous pouvez débugger votre test sans problème. Vu que ça s'exécute dans un navigateur Chrome, vous avez accès au Chrome DevTools, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez voyager dans le temps, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà. Alors les moins, je trouvais que c'est hyper gourmand. Il faut une grosse machine. Ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est assez sympa. Par contre, il y a des bizarreries, genre Shul avec une... On aimerait écrire shul.av.len, sinon on est obligé de faire ça. Mais bon, sinon, globalement, c'est assez simple à écrire un test Cypress. Test café, ça c'est un truc intéressant qui n'est pas très connu.
qui a une originalité. Il n'utilise pas un protocole de pilotage de navigateur, que ce soit WebDriver ou DevTools, mais il injecte un bout de code dans votre page web et c'est ce bout de code qui va piloter votre page. Et comme c'est un test remorque qui se pilote tout seul, ça fait penser à Iron Maiden, pour ceux qui connaissent. Ce monsieur qui est le chanteur est également pilote de ligne. Il pilote l'avion de tour de Iron Maiden, c'est quand même vachement badass. Donc, test café, voilà, il se pilote tout seul, c'est pas mal. Alors, ça vient avec des avantages et des inconvénients. Alors, l'expérience développeur, lui aussi, il a des smart assertions. Vous pouvez débugger pas à pas, directement dans le navigateur. Donc à chaque fois, vu que ça s'exécute dans le navigateur, vous pouvez également inspecter le contenu de page. Il supporte le rechargement dynamique du code, donc en TDD, c'est bon. Ah, ce point-là aussi, si vous utilisez des frameworks type React, Vue, Angular ou autre, en plus des sélecteurs CSS, vous avez aussi des plugins qui vous permettent d'avoir des sélecteurs Angular ou React, par exemple. Ça vous évite d'avoir à faire des trucs à rallonge fragiles qui ne fonctionnent pas tout le temps, quoi, donc voilà, ça marche bien. Il y a aussi des petits plus, la gestion des rôles utilisateurs. Si vous avez une appli multi-rôle, vous pouvez définir des rôles et après vous pouvez switcher de rôle en cours de test. Les moins, bon, ils ne supportent pas que Cucumber, mais bon, c'est faisable intégralement. Et puis, des fois, ça ne marche pas. En fonction de leur architecture, mais bon, ils ont réparé ça. Ils sortent des versions assez souvent et quand on ouvre une issue sur GitHub, ils sont assez réactifs. Ouais, je vais essayer d'aller vite. Alors, test café, ça ressemble à ça. CodeSafe.js, ça c'est mon chouchou. Ça c'est Apocalyptica, pour ceux qui connaissent, ils ont repris des standards du métal au violoncelle, enfin c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et CodeSafe c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un genre de méta-framework qui va exécuter d'autres frameworks derrière. Moi, à mon expérience, j'ai trouvé hyper solide, et il supporte à peu près tout ce que les autres supportent, plus d'autres choses. Et au niveau écriture du code, ça donne ça, donc c'est toujours très easy. Alors maintenant, je vais faire un petit retour d'expérience sur InstaKittens, le projet qui est un petit peu à l'origine de cette présentation. Donc, comme je disais, c'est Instagram, mais pour les photos de chatons. L'objectif, c'est pas d'écrire une appli qui fonctionne, qui est belle ou quoi. Absolument pas. L'objectif, c'est d'écrire des tests. Donc, les applis, elles vont juste marcher, elles vont être moches. C'est pas le but. Mais par contre, il faut que fonctionnellement, elles soient représentatives. C'est-à-dire que moi, je veux des multi-utilisateurs, je veux des scénarios un peu compliqués. Tout en écrivant le moins de code. Les entités, j'en ai 4. J'ai les utilisateurs, les albums photos, les photos qui sont dans les albums et les commentaires. Un peu comme Instagram. Utilisateur, j'ai 3 niveaux d'accès. Donc vous pouvez avoir un accès anonyme. Les albums, j'ai 3 niveaux d'accès également. Puis après, bon, bah, les photos et les commentaires. Pour poster un commentaire, il faut être enregistré. Par contre, vous pouvez lire les commentaires sans être enregistré. Les applications, j'ai écrit 4 applications. Un générateur de données, un serveur, back-end, une interface d'admin et une application web. Alors, je vous passe rapidement là-dessus. Ça génère un fichier JSON avec toutes les données de test. JSON Server, je ne sais pas si vous connaissez JSON Server, si vous avez déjà utilisé JSON Server. Alors je vous le conseille fortement, c'est un truc, vous lui donnez un fichier JSON avec vos données, et lui il vous génère un serveur REST qui fonctionne complètement, sans rien faire. Et c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai implémenté ces tests-là dans le projet. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop.
Voilà, donc ça c'est JSON Server qui m'a généré tout ça, je peux naviguer là-dedans. Voilà, il me demande les droits, bien évidemment. Ma souris. Là j'ai pré-programmé une requête. Voilà, je vais obtenir les utilisateurs. Paf. Voilà, du reste standard. Et là où c'est magique, c'est que tout ça tourne uniquement avec un fichier WJSON. Il n'y a que ça. Et lui, il m'a généré mon serveur. Donc ça, c'est intéressant parce que moi, je ne voulais pas écrire de code. Parce que je voulais écrire le test. Deuxième application, c'est une application d'admin. Alors là, pareil, j'ai pas voulu écrire quoi que ce soit, j'ai utilisé un framework qui s'appelle React Admin que je vous conseille chaleureusement. Et c'est pareil, vous lui dites voilà, mon serveur, c'est un serveur REST, il a telle adresse, et lui, il vous donne des masques pour déclaratifs pour dire voilà, je veux une liste d'entité user, je veux un éditeur d'entité machin. Ça marche tout seul, ça, c'est vraiment super. C'est les Français qui font ça. On crée l'admin, votre nom. Ça va vous faire gagner du temps. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est une appli web. Donc j'ai fait des tests unitaires en Jest React et puis des tests end-to-end, j'ai essayé de tester toutes les possibilités. Exemples de test end-to-end que j'ai lancé dessus. J'espère qu'il n'y a pas trop de temps sur ça. Ah là là là. J'ai du mal à positionner la souris. Donc ça, j'ai quasiment rien écrit, hein. C'est quand même pas mal. Chaud, etc. Maintenant, le but c'était quand même de faire des tests. Alors je vais vous montrer par exemple Cypress. Je vais lancer Code 7. Je vais lancer les trois montants tant que je suis. Cypress là. Cypress, ça ressemble à ça. Donc vous avez ici votre suite de tests complète. Et si vous voulez lancer par exemple celle-là, hop, ça vous lance une instance de Chrome. Là vous allez avoir votre page web. Ah, c'est pas la bonne. Là, je vais lancer, c'était celle-là. Voilà. Alors, normalement, elle va foirer. C'est l'intérêt des tests. Elle marchait dans les précédentes versions. Entre temps, j'ai fait un upgrade de la version de RectAdmin et elle ne marche plus. Donc, là, ce que je vous montrais dans le. Ce que je vous appelais le voyage dans le temps, c'est ça. C'est-à-dire que ici, vous avez votre liste d'actions qui ont été effectuées. Et à chaque action, Cypress, il vous prend un snapshot de la page. Ah ben non, elle est passée. Et si vous cliquez ici et que vous faites F12 pour avoir les. F12, il veut pas. Il vous met des méta-informations supplémentaires sur la console. Alors ça, c'est vraiment génial pour mettre au point vos tests, ça fait gagner un temps fou, parce que si vos tests ne passent pas, vous faites automatiquement.
Ensuite, ça. Celui-là. Ça, c'est Test Café. Bon, on ne peut pas le voir, je vais essayer de le mettre. Bon, il faudra me voir sur parole. Là, sur ma console, j'ai des infos de debug de Test Café. Et là, je peux faire du pas à pas. Donc là, par exemple, ça va être Next Action. Voilà. Donc ça, c'est un test qui permet de tester la fonction de logout. Donc là, je suis logué. Je clique sur le menu, je clique sur le bouton logout et c'est bon. Voilà, je suis enlevé.
Avant tout, on aime notre métier, on aime s'amuser, on aime l'orienter autour du jeu, on aime l'orienter autour de la compétition. Donc on se challenge sur ces thématiques aussi souvent que possible et nécessaire. Ok ? Et ça, franchement, ça a permis de rapprocher les pays. On est la première... On est la première communauté de PTEC à avoir organisé des événements cross-country. On a mis un point d'honneur à le faire, on a mis un point d'honneur à le continuer. Et aujourd'hui, ça paye. Ça paye parce qu'on n'a plus besoin d'intervenir quand il y a un sujet avec plusieurs pays. Et là, on a tout gagné en fait. Les gars sont autonomes. C'est génial. C'est ce qu'on veut en tout cas. Donc ça, c'est un de nos mindsets. L'expérience avant tout. Et c'est pour ça qu'on fait des workshops, c'est pour ça qu'on crée, on organise des workshops. C'est pour leur donner le temps d'expérimenter, sortir du quotidien pour expérimenter. Troisième pilier, j'ai pas fait dans l'ordre parce que ça serait trop facile. Troisième pilier, comme je vous l'ai dit, c'est la climatisation qui parfois tout saute un peu. Ok, bon ça va, tout va bien alors. Comme je vous l'ai dit, il faut savoir connaître, il faut d'abord connaître d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est vrai dans la vie personnelle, c'est vrai dans la vie professionnelle, c'est vrai pour tout. Donc l'idée là, c'est de donner la possibilité à chaque équipe de dire aujourd'hui, sur cet axe, je suis là et je veux aller là. Est-ce que j'ai des moyens d'y arriver ou pas ? On a mis en place ce qu'on appelle une matrice d'évaluation de la maturité des équipes qui du coup a été hyper appréciée et repris par beaucoup d'autres expertises métiers comme les SRE DBA, DEA, DBA, excusez-moi. Ce qui va permettre en fait aux équipes de se dire ok, pour la QA je veux atteindre ce niveau, je veux atteindre le niveau 1, je vais atteindre le niveau 2, le niveau 3, pour l'automatisation, pour le test management, pour l'agile testing. Voilà, c'est eux qui décident où ils veulent aller. Mais on s'est dit, nous, on mise beaucoup sur l'humain. On mise beaucoup sur l'humain, on veut que les QA soient autonomes, qu'ils soient force de proposition. Donc, comment rendre autonome un nouveau QA en un minimum de temps ? Tout simplement, on repart au basique, on fait un open kit, quoi. On leur donne l'information à un endroit accessible par tout le monde, QA, pas QA, manager, pas manager, tout le monde a accès à l'information. Dedans, vous trouvez tous les process QA, toutes les activités QA, tous les outils QA, tous les events QA. Voilà, et à partir de là, ils sont libres, s'ils veulent, de poser des questions, d'aller chercher l'information et de devenir acteurs du changement pour leur équipe et pour VPTech. Deuxième chose, comme on l'a dit tout à l'heure, comment on fait devenir un QA fonctionnel technique ? Les formations, c'est bien, mais nous, on préfère l'expérience. Donc, on met en place des formations, mais pas que des formations, du coaching de proximité. On va travailler avec les équipes produits sur des sujets opérationnels, sur une thématique, un des 6 objectifs qu'on n'a pas encore vu. Vous vous rappelez, les 6 caisses ? Un des 6 objectifs sur lesquels ils souhaiteraient s'améliorer. Et on fait du coaching à la fréquence qu'ils veulent en fonction de leurs contraintes. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être toutes les 15 jours, ça peut être une fois de temps en temps à la demande. Et la dernière chose, qui est le plus gros chantier, c'est définir les guidelines. Les guidelines, comment dire ? Les guidelines et les best practices. On estime qu'on n'est pas dans l'opérationnel, donc on ne peut pas imposer, on peut juste suggérer. Donc on met à disposition des guidelines pour que les équipes produits puissent, s'industrialiser. Maintenant, on n'est pas là pour fliquer non plus, on est là pour les responsabiliser. Leur faire comprendre l'importance des guidelines, qu'est-ce que ça va leur apporter, et pourquoi ça peut être intéressant de matcher avec les guidelines. Ok ? Super important d'avoir les guidelines dans la tech,
Parce que si tout le monde fait comme il veut, demain le mec il part, ce qui arrive souvent et très rapidement, impossible de reprendre son projet. Impossible de reprendre son travail. Parce qu'on ne sait pas comment il travaille. Donc tout ça, avec tout ça, on a réussi à construire la confiance. La confiance en la communauté du test, la confiance en ce qu'on fait, les équipes produits ont confiance dans leur livraison. Et puis la deuxième chose dont je vous ai parlé, vous savez, les 6 pièces, c'est les 6 objectifs QA Group. Alors, on a beaucoup de systèmes d'évaluation, de CMMA, de CPA, on s'est dit, waouh, on peut aller dedans, mais aujourd'hui, on n'a pas encore évalué la maturité de toutes les équipes. Ça va peut-être être un mastodonte pour des personnes qui ne connaissent pas encore assez bien le métier de QA. Donc on a dit, on va simplifier tout ça, on leur met 6 axes. C'est déjà énorme, 6 axes de travail. Et à eux de définir les objectifs key result qu'ils veulent pour le top 3 de ces objectifs. Donc les business process, pourquoi ? Parce qu'on automatise quoi ? Les process métiers. Les process métiers changent une fois de temps en temps. La tech change très vite. Donc, c'est bien automatisé, mais c'est encore mieux si vous décrivez vos process métiers, parce que demain, vous changez de techno, voilà, ça va aller super vite. OK ? L'agile testing, time to delivery. On ne peut pas se permettre de passer des mois à développer un truc pour toucher en prod. OK ? On est sur l'expérience utilisateur. On a besoin d'aller vite. Donc, quelles sont les méthodologies qu'on utilise pour permettre, faciliter la collaboration entre un PO, un dev et un QA ? Ils ne sont pas tous techos, ils ne sont pas tous métiers. Sans pour autant prendre 10 ans à le faire. Donc, c'est important, l'agile testing. C'est tout ce que Frédéric vous a parlé auparavant. Et TDD, EDD, and so on, TDD Fever. We love drive and development. Voilà. Et le pilier de l'agile testing, c'est aussi l'automatisation. Supprimons les tâches répétitives et qui n'ont pas de valeur ajoutée pour aller là où on peut, du coup, apporter de la valeur. OK ? Test management. Alors ça, c'est un impondérable, c'est un incontournable. Je pense qu'il sera là toujours. Il nous faut un référentiel de test. Un référentiel de test, pas plusieurs référentiels de test. Un référentiel de test, un endroit où on accède à tous les tests. La gestion des incidents, des bugs, c'est juste votre source documentaire la plus énorme et la plus constructive que vous pouvez avoir. Un bug que vous rencontrez potentiellement, quelqu'un d'autre l'a vu avant vous. Donc c'est important de pouvoir standardiser tout ce qui est bugs management, comment on reporte un bug, où on le reporte, comment on le traite, capitalisant sur la connaissance. Demain, le mec qui l'a fait, il sera peut-être pas là. J'espère pour lui, parce qu'on aime bien évoluer, changer, voilà, se challenger. L'automatisation des tests, c'est Ramos qui va vous en parler tout à l'heure. Et l'implémentation de la CI/CD. Pour nous, c'est les 6 objectifs minimums pour optimiser l'assurance qualité. Donc quand je dis minimum, il y en a plus. Mais c'est le minimum. Si on arrive déjà à faire ça, c'est cool. C'est bien. OK ? Donc l'idée, c'est à partir de ces 6 objectifs, que chaque équipe produise dise, OK, moi, mon top 3 cette année-là, mon top 3, c'est ça. Et pour ça, je vais mettre tel pourcentage, je vais mettre tel effort, et je vais mettre telles actions en place pour les atteindre. OK ? Donc là, on n'impose pas un objectif, on leur demande de définir leurs objectifs. L'équipe produit est décisionnaire. C'est elle qui décide où elle veut aller. OK ? Yeah. Comment tu instaures un cadre et en même temps tu donnes cette liberté de choisir ? Tout simplement parce qu'on définit les 6 objectifs. Ces 6 objectifs ont ce qu'on appelle des critères d'acceptance. Donc c'est-à-dire comment je vais réaliser cet objectif. Et après, à eux de voir à quel niveau ils veulent arriver. Typiquement, qu'est-ce qu'on peut prendre ?
méthodologie. Gaki. Profondeur. Moi, j'allais dire business process parce que j'aime bien. Pareil. Allez. Par exemple, sur tout ce qui va être création de commandes, en tant qu'utilisateur, j'ai envie de commander un produit sur VP. Vous vous imaginez bien qu'il y a 36 moyens d'y arriver sur le site VP, sur l'application. Il y a 36 moyens d'y arriver. Donc là, c'est facile, c'est visuel, on se dit c'est hyper easy. Mais en fait, par exemple, sur ça, comment créer une commande, comment commander un produit, ne serait-ce que sur la partie user engagement, donc sur la partie login, on a au moins une dizaine de cas possibles, génériques, à tester. Ok ? Donc en fait, en définissant le process métier, on va venir dessiner l'ensemble des activités qui réalisent l'objectif, qui amènent à la réalisation de l'objectif. Ok ? Donc, c'est-à-dire, je me log, je navigue, j'accède à la vente, je trouve l'article joli, je clique, je choisis la quantité, j'ajoute au panier, je saisis mon adresse. Ah, mais merde, je suis pas un nouvel utilisateur, du coup, j'ai déjà une adresse. Voilà, des trucs comme ça. On vient juste redessiner avec des méthodologies qui sont connues par.